Depuis février dernier, Patrick et Isabelle Balkany sont assignés à résidence. Condamnés à 3 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale, le couple septuagénaire a échappé à l'incarcération en raison de leur santé et de leurs âges. Désormais, tous les deux vivent dans leur maison de Giverny, dans l'Eure, équipés de bracelets électroniques aux chevilles. Ce dimanche 1er août 2021, Isabelle Balkany a partagé une photo avec ses petits-enfants, le sourire aux lèvres. L'ancienne maire par intérim de Levallois-Perret s'est emparée de son compte Twitter et a tenu à immortaliser une journée passée avec ses petits-enfants. La grand-mère de 73 ans prend la pause entourée de 3 jeunes adolescents, dont son petit-fils Sandor. Dimanche. Repos pour les lions lutins Z jardiniers et leur chef. A écrit en légende l'ancienne élue des Hauts-de-Seine, sur sa publication. Sur le cliché, les internautes ont été nombreux à réagir au bracelet électronique que porte Isabelle Balkany à la cheville. Les réactions des internautes. Certains internautes se sont insurgés, en pleine forme Madame Balkany, même pas honte. Peut-on lire? D'autres internautes ont plaisanté, super le bracelet. Si est-il pour ne pas fatiguer les chevilles lors du jardinage? Petit bracelet à la cheville en caillera, la nouvelle mode lol, classe le bracelet. Ils auraient au moins pu en fournir plusieurs assortis à vos tenues, est-ce qu'ils vous appellent mamie gangster? Ou encore vous êtes trop swag? Parmi les nombreux commentaires, un tweeto a notamment attaqué Isabelle Balkany, la voleuse. Rien à faire ici. Comme à son habitude, la principale concernée ne cesse pas laisser faire, le con avec un abonné, a dégagé.